Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2. Chers amis, nous allons nous rendre directement là où est notre ami... je sais plus comment s'appelle, Jeff. Je crois que c'est Jeff, hein. Enfin bon, là n'est pas la question. Oh, faites pas chier. Alors, il y a toujours ces bugs graphiques, hein, chers amis, je suis absolument désolé. Mais j'ai rien fait. Hop là. En tout cas, vous êtes mauvais les mecs, hein, je veux pas dire, mais... En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai loupé la route, c'est pas grave. J'ai loupé la route. Hop. Ok. Ça se passe assez bien. On est un peu poursuivi, mais ça se passe assez bien en règle générale. Ok, j'ai pas réussi à l'arrêter, tiens. Ah, j'ai pas réussi non plus à l'arrêter ici. Aïe. Oh bah d'accord, vive la physique. Mais vous voulez pas me lâcher? Mais merde! Je sais comment je vais faire. Regardez. Regardez. Aïe! Je vais me planter. Vous m'avez perdu? Ah non! Ok, salut! Oh. Sérieux, tu l'as perdu? Fuite! Fuite! Voilà, il a pas pu aller bien loin. Ok, on est bon. Salut! Tu m'as complètement oublié. Aïe! Ça fait mal? C'est chaud? Ça brûle? Mais c'est pas grave, on est bon. Ok, donc on accélère, on va retrouver l'endroit parce que... Oui, le jeu m'a remis à un autre endroit, forcément. Ok, c'est bon, on est bon. On y va. Salut! Je crois que c'est Jeff, hein. Je me rappelle plus de son prénom, le pauvre. Enfin bon, on va continuer à bourrer l'histoire, chers amis. J'aimerais avoir fini ce jeu avant que Ghost Recon Wildlands arrive. Toc toc. Josh, je t'en prie, dis-moi que t'es pas à l'intérieur. Josh. Marcus, il y a des snipers partout. Des snipers de quoi est-ce que tu parles? Des types de Human Eye. Hein? Désolé, ils devaient pas être là. Dushan les a engagés, je suppose. Josh, pourquoi tu parles tout bas? Normalement, tu veux entrer? Hé, j'entre pas là-dedans, moi. Un peu dégueulasse. Demain, les machines à voter vont être livrées au bureau de vote. On fait quoi, du coup? On les rétro-ingénierise? Non, on va pas avoir assez de temps, vu que leur virus est de niveau militaire. D'accord. La plus prudente serait de toutes les détruire. Tu veux les détruire? Comment ça, tu veux les faire exploser? Ouais. Le fort est une base militaire, il y a plein d'explosifs partout. Sans machine à voter, les élections seront repoussées. Ouais, on va révéler la magouille. Et comme ça, les gens auront le temps de prendre une décision éclairée. Ok, ouais, je suis chaud, Josh. Et toi, t'es chaud? Non. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud et je referme la porte. Je m'en doutais. Il y avait un truc dans le genre qui allait forcément arriver. Je vérifie que je suis bien dans le cadre, chers amis, hop, je suis dans le cadre, tout est parfait, on continue, désolé. C'est parti, enfin bon, faut reconnaître que le jeu est, enfin, est bourré de bugs, hein, je veux pas dire, mais... En tout cas, sur la version PC, c'est assez incroyable. C'est pas un peu extrême de faire sauter des machines de vote? Mais non. Non. Comme disait Josh, on garde les bugs graphiques. C'est un service civique, en fait. Poupi 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 poupi. Ok. Ça passe ou pas? Vous croyez? Ça passe. Parfait.
dispersez-vous. Mais non, t'as rien vu. Je suis déjà venu par là, t'as rien vu. Non, t'as rien vu non plus. Mais non! Bon, ils m'ont vu là. Plusieurs sites potentiels ont été signalés dans votre secteur. Je peux pas le... Non, bah non. Bon, bah tant pis, renfort! Après tout, pourquoi pas? Ah mais merde! Ils sont nombreux hein, ils sont nombreux. Tu vas arrêter? T'es mauvais? Ah blah, je suis mort. Ils sont nombreux et ils sont violents. C'est-à-dire qu'ils ont des casques, du coup le sniper passe pas. Waouh, tu te calmes? Ok. Du coup ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Pourquoi pas? Comme disait Josh, on gagne du temps pour l'élection. C'est un service civique en fait. Donc passer par l'eau, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Ok, il se passe des choses. Hein. J'ai une baisse de framerate, tout ça. Il est solide celui-là, dis donc. Allez, tire. Non, l'autre. Putain. Hop. Non. Ok. Oh la vache. Putain. Bah je peux même pas le sca... Enfin. Bien. Bien. C'est bête hein. T'es pas un si bon snipe finalement. Ok, bouffe. What? Ah oh, la vache, je suis mort. Ok. Bon, bah ça pue du cul cette histoire encore. Hein. J'aime bien quand ces jeux-là font un bond en termes de. C'est pas un peu extrême de faire sauter des machines. De difficulté. C'est débile. Comme disait Josh, on gagne du temps pour l'élection. C'est un service civique en fait. C'est débile. On va essayer autre chose. Putain, je pensais que ça passerait. Merde. Ok, on est bon. On va essayer autre chose. Merci pour ton argent. Tous les jours, putain. Hop, t'es mort. Ok, ça fait un. Son pote, il est là-bas. Personne ne remonte, personne ne redescend, on est d'accord. Ok, allons-y. Ok, on y va. Boum, ça fait deux. Ok, ça c'est bon. C'est de l'entraînement pour Ghost Recon, hein.
toute façon, c'est lui qui avait le code. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et donc, je suis censé les faire péter comment, à la base? Par l'opération du Saint-Esprit? Ok. Et donc, je rappelle comment je suis censé les faire péter? Par moi-même. Ok, c'est cool. Personne qui regarde, semble-t-il. Ok. J'en ai à ce niveau, hein, on est d'accord, oui. Oui. Je passe. Oh, d'accord. Je viens de comprendre. Et ils ont rien entendu. 67 mètres. Merde. Je peux pas les activer de là où je suis, ces putes. Ça, c'est vraiment un coup vilain. Ok, la suite. Continuons. Ça se passe pas... Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Y'a plus les caméras d'ailleurs. Débile. Ouais. Ah oui, d'accord, c'était juste pour dire qu'il y avait plus de... D'accord, ok, je viens de comprendre. Pourquoi pas. Y'a quelque chose derrière ou pas? D'accord. Donc grosso modo, c'est du... Même pas ? Deux. Je suis curieux. J'ai envie d'aller voir un truc. C'est bien une quantité de dégâts. Je pensais que ça allait être un certain nombre de balles, mais... Voilà, ça fait deux. Ok, suite. Là, le véritable problème, c'est qu'on va avoir des gens en face. Hein. Allez, coup de téléphone. Et de 1. Ça, c'est bon. Ok, ça se passe pas si mal finalement. Il n'y a pas un qu'un lance-roquette, un truc dans le genre. Je sais pas tout tu. T'as cru voir un truc, je te rassure. Hop, désolé, tu n'as rien vu. Mais vous n'avez rien vu. Merde.
Ok, on remonte. On remonte. Allez, sors! Attendez, ils vont quand même pas tous venir par là. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire, regardez. Restez en alerte. On a peur des chapistes, on s'informe du sergent. What? Le mec il est venu jusque là. Tu m'as pas vu? J'ai complètement disparu de ton esprit. Tu n'as rien vu venir. Ok. C'était pas trop mal. Allons-y. Allons-y. Ok. Vas-y, casse-toi, c'est pas plus mal. Un instant, chers amis. Ok, re, chers amis, donc, excusez-moi, j'ai... Je suis même plus dedans, là, pour le coup. Ok, bon. Hop, allons-y. C'est fait. Lui, il est bon. Ok, enfin de plus. Il y a un décalage de son, non? Non, bizarre. Hop, les bonjour. Ça c'est fait, ok, bon, on est bon. On a nettoyé la zone. C'est propre. C'est bien fait. Maintenant, on va bourrer ce véhicule. Ok, tu me fais plutôt chier, toi. L'arme est éteinte. Putain, c'est ça qui reste. Quoi? J'ai changé d'arme sur quelque chose? Non! Ici la police. Quelle est la nature de votre urgence, s'il vous plaît? Non! Mon arme! Elle est peut-être là. J'ai perdu une arme. Laquelle? Mon flingue. Non. Oh, fais chier. En plus, je me perds mes armes. Ok, on y va. Eh ben non, vous pourrez pas rentrer par là, désolé. Ok, bon. Parfait, ça c'est bon. La suite. Par contre, ça me fait chier pour mon arme. Ouais, bah, tu devrais vite te barrer. Ça me fait à moitié chier pour mon arme. Bon, c'est pas grave, on va devoir en racheter une. On va devoir aller en racheter une. Ça fait chier. Ça, c'est par où ça? Ah putain, je m'en rappelle, oui, mais c'est un cul-de-sac ça. La suite. Trouvons une sortie, trouvons une sortie. Ça devrait pouvoir se faire assez facilement, non? Là, il y a des portes, mais c'est pas des sorties. Ok. Là, c'est bon. Salut!
Il y a une belle voiture bleue en plus, dis donc, ouais. Il y a une belle moto là-bas aussi. Mais il y a une belle voiture bleue. Jolie voiture. Je monte dans la voiture. Faites que ce soit pas une petite moto, un petit moteur électrique. Non, c'est pas. Oh, c'est nouveau ça. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est certain. On est bon. Je suis dehors. Super. On est bon, on est bon. On a fait une vidéo avec ce que t'as trouvé dans l'appart. Ok, bon. Tu devrais la regarder. Le coup de frein. Ok, c'est pas grave. On y va, la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que du coup, maintenant qu'on a pété toutes les tous les machines de vote, c'est vrai que forcément. La société Invite a utilisé vos votes comme de vulgaires jouets. En vous ciblant individuellement, Invite a manipulé votre ressenti pour vous faire apprécier leur pantin, Mark Truss. Mais DeadSec a piraté Invite et modifié ses algorithmes. Les sondages se sont tout de suite inversés. D'accord. Invite, prêt à tout pour faire élire Truss, a eu recours à sa propre forme de piratage. Voyez, la PDG d'Invite, Marie Catskill, en train de confier à Mark Truss en personne un virus destiné aux machines à voter. Les élections ont été repoussées. Citoyens, mettez ce temps à profit pour réfléchir. C'est bien. Ne vous laissez pas manipuler. DeadSec vous encourage à ne pas voter sans conviction. DeadSec vous a révélé la vérité. C'est bien. C'est bien. Surtout dans une période d'élection actuelle. Je vais pas me faire des copains, hein. C'est pas grave. Bon, allons-y. Non, c'est vrai, quand vous votez, en fait, le principe, c'est que c'est bien de voter, chers amis. On vous invite à voter et on vous presque force à voter en vous disant que c'est un devoir civique. Mais ce qu'on oublie de vous apprendre, c'est que le vote blanc est un vote. C'est une proposition qui est faite. Et personne ne se bat pour montrer ce qu'est le vote blanc, pour dire non à la politique actuelle, simplement non. Pourquoi? Parce que quand on dit ça aux gens, les gens vous disent « Oui, mais tu n'as pas de solution, tu dis juste non. » Effectivement. Mais en même temps, les politiciens actuels ne trouvent pas de nouvelles solutions. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tout ce qui les intéresse, c'est d'être réélu. Ou d'être élu, c'est le job qui les intéresse. Donc là, à l'heure actuelle, moi ce que je vous invite, c'est à réfléchir un petit peu. Et plutôt que d'aller voter pour quelqu'un parce que vous voulez pas voter pour quelqu'un d'autre, hein, votez plutôt en disant non à la politique et aux politiques actuelles, en disant je vais voter blanc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut à mon avis expliquer aux gens, c'est que le vote blanc, ça veut simplement dire non à la politique actuelle. Enfin bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Ok, donc on a réussi, on a fait cette mission, chers amis. Du coup, je vais vous laisser sur ces mots un petit peu un petit peu polémique. Enfin, ouais, cette petite polémique, on va dire. J'ai pas trouvé les mots un petit peu. Ces mots à tendance polémique, on va dire ça comme ça. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, donc sur Watch Dogs. Salut les gens, et yop.